Bonjour à tous, bienvenue au Hub des territoires. Je suis Marie Aristide, chargée de mission au Hub, et je suis ravie de vous accueillir avec toute l'équipe du Hub pour échanger avec nos amis de l'Institut des futurs souhaitables sur le futur de la santé en France. Nous vous proposons également une mise en perspective et action de la Banque des territoires avec un expert. Aujourd'hui, nous accueillons Adelphe de Taxi du Poète, responsable programme territoire et santé à la Caisse des dépôts. Ils répondront à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Avant de commencer, quelques mots sur le Hub des territoires. Le Hub des territoires, c'est le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. C'est un lieu à la fois physique et digital, résolument tourné vers vous, territoire, acteurs de l'écosystème, partenaires publics et privés. Sa mission est d'inspirer, de concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler. La programmation est riche de conférences, ateliers, rendez-vous business. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter, le lien est dans le chat. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Luc Véraud, fondateur de l'Institut des futurs souhaitables. Merci Marie, merci au Hub des territoires de nous accueillir. Alors, peut-être quelques mots avant de donner la parole à nos intervenants, quelques mots à la fois sur l'Institut des futurs souhaitables et sur la conférence d'aujourd'hui. Donc l'Institut, on aime bien se présenter comme une école du futur ou une école de la réinvention. Et les trois stickers qui sont là, qui représentent donc une partie de ce qu'on appelle nous notre propagande positive, on a une certaine poétique dans notre aventure, donc définissent assez bien qui nous sommes. C'est-à-dire que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, premier sticker, dit en tous les cas, affirme une conviction que nous avons, et nous n'avons pas peur d'utiliser des gros mots, qui est de dire que finalement nous vivons une époque singulière dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. On parle souvent de crise. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler il y a quelques années maintenant, on a toujours parlé de contexte de crise. Et nous pensons, nous, que nous ne sommes pas dans un contexte de crise parce que le terme de crise laisse supposer qu'il suffirait de faire le dos rond, de laisser passer la crise et on pourrait alors retrouver les équilibres d'antan. On n'y croit pas du tout. Et pour autant, ce n'est pas non plus la fin du monde. Par contre, on pense que c'est la fin d'un monde, c'est-à-dire un monde qui a été bâti à la fin du 19e et au cours du 20e siècle. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui était solution au problème du 20e est précisément devenu le problème du 21e siècle. Le deuxième sticker, c'est une invitation à finalement peut-être revisiter la posture qui est la nôtre dans la manière dont on se positionne vis-à-vis de demain. C'est-à-dire que l'avenir, de notre point de vue, ne se prévoit pas, il se prépare, il se construit aujourd'hui. Et donc, pour faire de la prospective, il n'y a pas de besoin d'être médium, voyant ou de lire l'avenir, il suffit juste de se questionner et d'une certaine manière. Enfin, le dernier sticker, écoutez, le fruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l'arbre qui tombe, c'est une invitation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur la question de la santé, qui est une invitation peut-être à prêter l'oreille, parce que ça fait un petit peu moins de bruit, à ce qu'on appelle en prospective des signaux faibles, et qui finalement peuvent peut-être nous renseigner et nous aider dans notre questionnement pour préparer demain, précisément, et écouter donc un petit peu plus ces signaux faibles, et un peu moins les arbres qui tombent, qui font la une des médias, et qui font en général effectivement plus de bruit. Tout ça est résumé dans notre raison d'être, ouvrir les futurs pour libérer le présent, donc il y a bien ce mouvement qui est de finalement de se projeter vers demain, mais pour mieux prendre des décisions et éclairer nos décisions aujourd'hui. Ça, c'est pas la peine de vous le dire. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est la 7e conférence dans le cadre du cycle de conférences prospectives que nous proposons en partenariat avec le Hub, encore merci à vous, sur le futur de la santé. Et donc, Joseph Tedesco, Joseph, te passer le micro tout de suite, donc va nous faire une présentation. La séance, comme les précédentes, est organisée en 4 temps. Donc Joseph Tedesco, en une demi-heure, va nous faire un point sur un certain nombre de perspectives sur le sujet. Ensuite, nous aurons Monsieur de Taxi du Poète qui fera une mise en perspective ou en lien avec les enjeux internes de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires. Et puis un temps d'échange ensuite avec les personnes présentes ici et par le chat, Marie l'a dit. Juste avant de terminer, comme toujours, par une petite vidéo poétique avec le son qui fonctionnera, donc c'est parfait. Merci, Joseph, c'est à toi.
Bien, bonjour, je suis Joseph Tedesco, directeur général du CNEH, le Centre national de l'expertise hospitalière. Et je vais essayer en de très nombreux slides, ça va aller assez vite, mais c'est pour vous dire un maximum de choses, de situer un peu quels sont les enjeux du système de santé français, mais pas que, puisque au fond, les grandes tendances, on les retrouve au niveau largement. Non, ça va pas, ça. Bon, bref. Mais là, c'est parce que c'est en PTT. Bon, alors, on va faire différemment. Les slides vont défiler tout seuls. Et je vais vous les commenter après. Donc, il y a 7 minutes de défilé. Et ensuite, on va les commenter. Et là, on ne peut pas faire autrement. Hein. Soit on les met en PDF, soit... Ouais. Oui, alors sur les, je suis désolé, hein, sur les cinq tendances mondiales et françaises qu'on remarque, c'est pas mal non plus avec la musique. Hein. Bon, alors les cinq grandes tendances. Donc il y a un sujet autour de la démographie et des modes de vie. Un deuxième paquet d'innovations autour de la digitalisation et de l'innovation proprement dite, une problématique autour des financements, une problématique autour des lieux et des prestataires de soins, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que l'hôpital est de moins en moins le lieu dans lequel on se rend, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, il y a un cinquième gros sujet autour de ce qu'on appelle le patient consommateur. Alors, autour de la notion de la démographie et des modes de vie, il y a trois grands sujets qu'il faut avoir en tête sur les 15 prochaines années. Le premier sujet tourne autour du vieillissement de la population, française singulièrement et mondiale, enfin en tout cas sur tous les pays occidentaux. Un deuxième sujet autour des pathologies chroniques qui seront les grands tueurs de demain. Et qui sont les grands tueurs d'aujourd'hui, c'est des tueurs en série. Et puis un troisième grand paquet autour des problématiques climatiques et des inégalités sociales qui se transforment en inégalités de santé. Si on regarde deux, trois chiffres très rapidement, c'est en 2030, on aura plus de 10 millions de Français qui auront plus de 60 ans. On aura 1,5 million de personnes âgées qui seront dépendantes. Nous aurons une densité médicale qui aura reculé 30% en zone rurale. Donc là, c'est bon, on est revenu sur les slides, merci beaucoup. Nous aurons également, alors attendez, parce que du coup, les maladies chroniques qui vont représenter la première pandémie mondiale. C'est-à-dire ce qu'on vit avec le Covid, c'est juste, c'est une grosse histoire, mais c'est une petite histoire quand même. Puisque les pathologies cardiovasculaires seront responsables d'un décès sur trois. Une personne sur quatre en France sera obèse. Alors, je suis désolé, c'est le matin, là, mais il faut situer le contexte. 7% de la population française sera diabétique. Juste au Mexique, on est à plus de 30%. Après 75 ans, un Français sur quatre souffrira de la maladie d'Alzheimer. Ça donne juste envie d'aller se coucher. Et puis, par ailleurs, on aura un monde qui sera un peu plus inégalitaire. Puisqu'il est probable qu'à l'horizon 2030, l'Europe n'ait pas atteint son objectif de réduction de la pauvreté. Que le changement climatique, avec tous les effets de migration, impactera la santé et la qualité de vie. Donc là, on pense à l'air, etc. Je vais un peu vite. Donc les phénomènes migratoires, ce qui va conduire l'hôpital à être de plus en plus écologique, que ce soit au niveau de ses infrastructures, au niveau du traitement de l'alimentation, des déchets, de l'énergie. Je passe les détails. Alors par rapport à ça, il y a plusieurs autres évolutions. La première évolution est une évolution digitale, puisque ce qu'on pense, c'est que 19 millions de Français en 2030 posséderont des objets connectés médicaux, ce qui aura pour la partie pathologie chronique, il y a 6 milliards d'économies qui seront sans doute économisées. On s'attend à ce qu'il y ait 50 milliards par an dans le monde de téléconsultation, ce qu'on appelle la télémédecine. Vous l'avez peut-être éprouvé en tant qu'individu à l'occasion de la crise du Covid, mais plus fondamentalement, ce qu'on verra aussi, c'est, avant Jean-Luc, parce que ça je l'ai dit à l'oral,
Ce qu'on voit aussi, c'est toute l'assistance des robots, notamment pour les interventions chirurgicales, mais aussi des robots compagnons qui assisteront les personnes âgées et handicapées à leur domicile. Donc ça, c'est un mouvement qu'on voit très fort au Japon. Et puis, il y aura aussi des fusions entre nanotechnologie, biotechnologie, informatique, qui permettront d'obtenir sa carte d'identité génétique pour 70 euros. 80% des diagnostics seront produits en temps réel, c'est-à-dire toutes les phases qu'on connaît aujourd'hui, médecine de ville, médecine spécialisée, hôpital, laboratoire, plateau technique, tout ça va être complètement raccourci. Ce qu'on voit aussi, ça va très vite. Ce qu'on voit aussi, c'est que tous les supercalculateurs nous permettront de traiter les datas. Et en traitant les datas, ça ouvre des sujets autour de l'intelligence artificielle et sur tout ce qu'on appelle la médecine prédictive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie technologie va venir au service des prises en charge des patients. L'imprimante 3D transformera également les différentes interfaces. On va avoir des interfaces homme-machine qui vont se développer beaucoup plus vite, avec ce qu'on appelle les exosquelettes, la bioimpression, etc. Donc les exosquelettes sont de plus en plus en train de se diffuser. Alors tout ça posera un problème de financement, puisque la santé, c'est un système qui est en croissance du point de vue des besoins. On aura une hybridation des financements publics-privés plus importante. Ouais, bah oui, parce que vous ne l'avez pas mis en PDF. Et on aura une révolution du big data. Donc ça veut dire que sur les comptes sociaux français, pour le coup, on prévoit en routine des déficits. Alors est-ce qu'il faut parler de déficit, c'est le mot qu'on emploie, mais des déficits autour de 40 milliards d'euros. Donc ça, c'est un point qui est quand même important, parce que ça pose la question du financement. La première contre-indication des traitements innovants sera leur financement. On l'a déjà aujourd'hui sur quelques molécules très onéreuses. En 2030, il est probable qu'il y ait plus d'hybrides, de modèles hybrides pour gérer les dépenses de santé. Alors là, la question qui va se poser est une question sociale, c'est est-ce qu'on ira vers un système à deux vitesses? Et puis, ce qu'on verra émerger de plus en plus, c'est comment les grands acteurs, les grands GAFA, finalement, s'insèrent dans le secteur de la santé. Ce n'est pas encore complètement le cas, mais les hypothèses à 10-15 ans, c'est qu'il y aura des offres complètement intégrées et ubérisées pour la médecine. Voilà, suivant. L'autre point, c'est tout ce qui va tourner autour du traitement des données, d'une part, et du coup, de la capacité à produire des intelligences artificielles. Il y en a beaucoup aujourd'hui en imagerie. Et le sujet de la donnée de santé deviendra, posera une double problématique en termes de recherche pour les différents pays, et ça deviendra des sujets de géopolitique, tels qu'on le voit aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur le vaccin, puisqu'il y a eu, en tout cas au début sur le vaccin anti-Covid, il y a eu beaucoup de positionnements géopolitiques des différentes puissances. Alors, toutes ces données, c'est bien gentil, mais ça posera des défis éthiques et sociaux assez importants. Puisque la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la décision médicale appartiendra aux algorithmes? Et donc ça, ça pose des tas de questions de re-engineering. Sur l'hôpital proprement dit, ce qu'on peut dire, c'est sur les grandes tendances, c'est que sur l'hôpital de demain, il y aura sans doute des structures, contrairement aux hypothèses qui sont faites aujourd'hui, qui seront plus ouvertes vis-à-vis de la ville. Il y aura un moindre recours aux urgences grâce aux nouvelles technologies, mais pas que. Et la capacité hospitalière de court séjour se réduira. Les pôles hospitaliers d'excellence assureront la prise en charge des patients sur la partie aiguë. Et puis, on aura des plateaux techniques qui seront mutualisés sur des territoires. L'ambulatoire, au sens très large du terme, sera l'avenir. Et puis, donc ça veut dire qu'on aura des centres spécialisés. Et la grande bascule, ça sera autour du domicile, puisque le premier lieu de prise en charge dans les 20 prochaines années, 20-30 prochaines années, ça sera le domicile. Ce qu'il faut que vous sachiez juste pour information, c'est que les deux grands groupes américains qui sont parmi les meilleurs hôpitaux du monde, Mayo Clinic et Clinic of Cleveland, leur projet stratégique aujourd'hui, c'est de développer les soins à domicile. Et c'est d'autant plus possible avec toutes les solutions
d'informatique associée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le marché de la santé à 10-15 ans fera intervenir des nouveaux entrants sur le marché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des acteurs traditionnels du système de santé. Et ça veut dire qu'on va rentrer dans des modes de prise en charge où on pourra très bien avoir des consultes avec des médecins qui sont situés à l'autre bout du monde, y compris pour de la médecine du quotidien. Voilà. Ensuite, on aura très probablement des consultations dans les centres commerciaux. Il faut savoir que les Français passent énormément de temps dans les centres commerciaux, contrairement à ce qu'on pense quand on regarde les données agrégées. Donc, il est possible que là aussi, il y ait une forme de réinvention des lieux où se pratique la médecine. Il y a eu une tentative qui a échoué en France il y a quelques semaines, puisque l'Ordre des médecins s'est un peu ému de voir émerger des consultations dans les centres commerciaux. Mais pour autant, il est probable que dans les 10-15 ans en France, c'est là où une partie de la médecine de ville s'effectue. L'autre point important, c'est que avec toutes ces évolutions, je suis perdu avec mes propres slides là, toutes ces évolutions, je suis obligé de m'adapter à chaque fois, toutes ces évolutions seront beaucoup plus centrées patients. Et ce qu'on peut voir, si on regarde la segmentation, c'est qu'au fond, il y a trois familles de patients. Ce qu'on appelle le bas du triangle, les épisodiques, c'est 75% de la population pour 25% des coûts. Et tout en haut, j'ai 5% de la population pour 45% des coûts, quand on regarde la distribution des coûts. Et en haut, nous sommes sur des polypathologiques. Et aujourd'hui, tous les systèmes d'organisation sont organisés de la même manière, quel que soit le point dans lequel je suis dans le triangle, alors qu'en fait, une analyse des données montre qu'il faudrait au moins trois types d'organisation. Donc l'ensemble des métiers, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, vont être réinventés. Voilà, là pour le coup c'est un peu lent, autour de patients chroniques, ambulatoires et personnes âgées. Donc ça veut dire qu'on aura des équipes qui dépasseront ce qu'on connaît aujourd'hui autour des maisons de santé pour ceux qui les fréquentent, et avec des périmètres d'intervention des équipes soignantes et non médicales, hein, soignantes c'est tout ce qui est infirmier, qui vont s'élargir. Et si vous suivez un tout petit peu l'actualité aujourd'hui, il y a des tas de débats un peu corporatistes sur le qui fait quoi. Alors, dans ce contexte-là, les médecins resteront des médecins, évidemment, mais seront beaucoup plus centrés sur le parcours patient et avec des sujets qui seront très importants autour de la relation patient qui aujourd'hui fait un peu défaut, quel que soit le point du globe où on regarde ces relations-là. L'autre point important, c'est que tous les modes de financement aujourd'hui dans le monde sont quasiment rémunérés au volume, c'est-à-dire c'est plus j'en fais, plus je suis payé, hein, c'est la T2A, vous avez dû entendre ça, et demain il est probable que c'est la qualité des prises en charge qui l'emporte avec des indicateurs de résultats qui détermineront les modes de financement. L'autre point important, c'est la place du patient dans ces nouveaux systèmes, et quand on regarde la place du patient, on peut dire qu'il y aura beaucoup plus d'informations et de transparence. Déjà, il y a énormément de sites qui permettent à chacun en 7 minutes de devenir médecin, alors que parfois il faut 20 ans d'études, donc il faut toujours se méfier un peu des sites. Mais néanmoins, c'est une relation enrichie dans le dialogue. L'autre point important, c'est qu'à l'avenir, tous les établissements de santé qui seront moins nombreux, avec un capacitaire plus réduit mais plus exigeant, seront... Les consommateurs, enfin les patients consommateurs iront dans les hôpitaux fréquenteront les hôpitaux qui ont des résultats qualité très importants, enfin un haut standard de qualité. Il est probable aussi, et ça commence, que le patient soit beaucoup plus impliqué avec toutes ses données de santé en un point unique. Donc ça veut dire qu'on aura tous sur des devices toutes nos données de santé. Les associations patients seront partie prenante bien plus qu'aujourd'hui dans la recherche et l'innovation thérapeutique. D'ailleurs, à cet égard, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui aujourd'hui réenclenchent des dynamiques de groupe avec les patients.
Voilà, on peut avancer. Et puis, le dernier point qui est très important aujourd'hui, c'est tout ce qui va tourner autour du capital santé de chacun, avec sans doute des transformations importantes de l'alimentation, le bio, le local, etc. Tout ça va aussi changer, aura des impacts sur les pathologies que nous aurons, ou pas. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'au fond, il y a, si on regarde à 2030, il y a cinq grandes tendances. Une tendance autour de la démographie, avec trois sujets, vieillissement, d'une part, pathologie chronique, climat, inégalité. Une tendance autour de l'innovation, de la digitalisation, avec tout ce qui tourne autour de l'Internet des objets, de l'AI santé, de la robotisation. Des sujets autour du financement, avec une hybridation assurantielle public-privé, plus forte qu'aujourd'hui sans doute, ou pas, une croissance des besoins de santé, et puis une révolution forte du big data. D'ailleurs, à cet égard, on l'a tous vécu, donc on le sait tous, le Covid, c'est la première épidémie qui est pilotée ou qui cherche à être pilotée à partir de la data. Ensuite, concernant les lieux et prestataires de soins, l'hôpital de demain, l'offre capacitaire se réduira avec des lieux encore plus techniques qu'aujourd'hui. On aura de la glocalisation, c'est-à-dire ça sera à la fois de la médecine ou des prises en charge qui seront locales et globales, avec possiblement des téléconsultations à l'autre bout du monde. Et du coup, ça va changer complètement les compétences des équipes soignantes, médicales, et paramédical, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et enfin, le patient consommateur aura un positionnement totalement différent dans le futur, puisqu'il sera encore plus éclairé qu'aujourd'hui, il y aura plus d'implications, et les sujets autour du bien-être et de la qualité de vie seront déterminants. Voilà, je suis désolé, les slides se sont enclenchés d'une manière inattendue, donc j'ai essayé de m'adapter, j'espère que le propos fut clair. Merci Joseph. Un peu compliqué, je te l'accorde. Compliqué pour tout le monde là, pour le coup. On va essayer peut-être, monsieur de Taxi du Poète. Je crois que vous n'avez pas de slide, donc les choses vont être beaucoup plus simples techniquement. Est-ce qu'au regard de... Donc encore, toutes mes excuses pour le format, c'est la première fois que ça nous arrive de cette manière-là. Est-ce que en réaction avec les lignes forces, en fait, à la fois des signaux faibles et des tendances en fait, qui se dessinent, qui ont été présentées, synthétisées par Joseph, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Quel écho avec les enjeux qui sont portés aujourd'hui par la Caisse des dépôts en général et la Banque des territoires en particulier? Oui, bonjour à tous d'abord, même s'ils ne sont pas très nombreux dans la salle. C'est vrai que l'exercice a été compliqué. Moi, ce que j'ai en retenu, d'abord, il y a un point qui me paraît, je reviendrai bien volontiers sur les vous trois stickers, comme vous les avez appelés, mais sans forcément les remettre, mais je trouve que la pandémie elle-même nous pose vraiment cette question de savoir si on est en train de changer de monde ou si c'est la fin du monde. Et il me semble que celle-ci a bien mis en évidence toutes les difficultés du système de santé français, notamment cet hospitalocentrisme que vous avez évoqué, avec un hôpital paradoxalement totalement à bout de souffle, comme le disait Agnès Buzyn, et puis cette gestion verticale des questions de santé dont on voit bien manifestement qu'elle n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et moi, ça me fait... Et donc, au-delà de ça, on a bien vu également le poids des inégalités de santé, pardon, et en même temps que le rôle des derniers de cordée, qu'on avait un peu oublié, et dont on a bien vu combien ils étaient indispensables à la bonne marche de notre société durant cet épisode. Et moi, ça me fait... Et du coup, ce que l'on peut voir à travers la pandémie, et c'est en cela que les trois stickers que vous évoquez me paraissaient intéressants, c'est qu'on voit une accélération des transformations, celles que vous avez évoquées, monsieur, autour de, à mon sens, deux grands axes qui sont d'un côté, enfin deux ou trois axes, qui sont d'un côté le territoire,
D'autre part, les questions de coopération, puisqu'on sort d'une logique verticale pour aller vers des logiques de coopération entre les acteurs, où les collectivités locales jouent un certain rôle, un rôle majeur. D'ailleurs, elles l'ont joué durant la pandémie, mais elles le joueront plus encore à l'avenir, avec une redéfinition des métiers. Des métiers de santé, ça a été également dit tout à l'heure. Et puis le troisième axe, c'est bien évidemment l'importance que va prendre le numérique à l'avenir. Là, moi, j'en tirerais une conclusion, c'est que je crois qu'on va, et c'est en ça qu'on venait encore sur vos stickers, je pense qu'on est en train de potentiellement de passer d'une société où le critère dominant était ce fétichisme de la croissance et du PIB, une société où les pouvoirs publics vont devoir gérer plusieurs des contraintes paradoxales, qui sont d'un côté effectivement la croissance, mais de l'autre côté la protection de la vie humaine, et vous avez également souligné l'impact de l'environnement au sens large sur la santé humaine, et là, avec une troisième dimension qui est celle de la protection des libertés publiques. Moi, je crois que c'est un peu une des questions qu'on peut se poser à l'issue de cette pandémie. Pour en revenir au groupe Caisse des dépôts, alors le groupe d'abord, il est très large. Il s'est enrichi depuis 2 ans du groupe La Poste, ce qui nous amène à avoir une couverture en matière de besoins de santé très large. Puisqu'on a aussi bien donc des métiers techniques avec ICAT Santé qui est la première foncière immobilière en France, Transdev Healthcare qui est un des 3 premiers transporteurs sanitaires de France, mais aussi la BPI qui a un rôle important en matière de santé numérique, tout comme la Banque des Territoires, puisque entre la Banque des Territoires, la Poste et la BPI, le groupe représente une bonne trentaine d'entreprises numériques en santé, sans parler des biotech ou des medtech. La Caisse des dépôts, à travers la Banque des Territoires et la Banque Postale, représente un tiers de la dette hospitalière. Donc on a une présence sur les questions de santé très large, avec d'autant plus avec, concernant la Banque des Territoires elle-même, cette capacité maintenant à accompagner les collectivités locales dans leurs réflexions, les collectivités locales d'ailleurs et les hôpitaux, dans leurs réflexions sur leur place dans l'écosystème de santé. Donc on a une grande variété de métiers, et un des enjeux majeurs que nous avons maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles le directeur général a souhaité créer une nouvelle direction cette année d'ailleurs, qui s'appelle la direction des politiques sociales, ce qui nous permet de marcher sur nos deux jambes, d'un côté le territoire, de l'autre côté les questions sociales, en mobilisant aussi bien les métiers financiers qui sont ceux de la Banque des Territoires, de la BPI, de la Banque Postale, et les compétences industrielles, là encore, aussi bien de La Poste, avec La Poste Silver, La Poste Santé, Doca Poste, etc. Et les filiales techniques dont je parlais tout à l'heure, en mettant bien évidemment au centre de tout cela la prévention et le travail sur l'organisation des soins sur les territoires. Voilà une première réaction, si vous me permettez de m'arrêter là. Oui, bien sûr, merci. Marie, Joseph, je vous invite peut-être à nous rejoindre. Et puis à échanger. Je ne sais pas, Marie, si on a d'ores et déjà des questions. Sinon, donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui sont en ligne, à peut-être mets-toi là-bas, Joseph. Marie va me rejoindre. N'hésitez pas dans le chat. Donc, on est connecté. Donc, on récupère votre question. Les questions vous s'adressent à tous les deux. Joseph, en t'écoutant, le sentiment que ça me donne, c'est qu'effectivement, si on se projette à 2030, on a un dessin qui, en tous les cas, un scénario, je ne sais pas s'il est souhaitable ou pas, vers à la fois une réduction du nombre d'établissements hospitaliers, mais finalement la mise à distance et les possibilités technologiques qui nous permettent effectivement des consultations à distance devraient permettre à tout le monde, quelle que soit son implantation dans le territoire, d'accéder finalement aux mêmes prestations de santé. Est-ce qu'il n'y a pas une question de calendrier ou de vitesse de mise en œuvre ?
C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui, on parle beaucoup du désert médical, notamment dans les territoires ruraux. Est-ce qu'aujourd'hui, la vitesse avec laquelle ça se fait vous semble à l'un et à l'autre soit aller trop vite pour certaines dimensions, c'est-à-dire qu'on supprime des établissements de santé plus rapidement que nous n'avons la capacité d'offrir des prestations de santé et des services à l'ensemble de la population du territoire. Est-ce que là, il y a le calendrier avec lequel ça se met en œuvre vous semble le bon? Est-ce que ça vous semble coordonné? Est-ce que comment vous réagissez à cette question de calendrier? Il y a des mais il y a toujours des contradictions dans la vie, hein. Surtout quand on fait de la prospective. Tu m'étonnes. Voilà. Donc il y a effectivement, même moi je l'indiquais, hein, qu'il y a des déserts médicaux, une densité médicale en recul sur certains territoires, et donc au bout du bout une inégalité, voire une fracture numérique. Et donc faire le pari du numérique alors qu'il y a une fracture numérique pour au moins 30% de la population, c'est une légère contradiction. Voire une contradiction forte. Alors après, il n'y a pas de calendrier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand ordonnancement de l'État français sur le déploiement du numérique. Il y a de l'argent qui est investi et ensuite des acteurs qui s'en saisissent plus ou moins bien d'ailleurs en fonction des territoires. Mais si on regarde le trait très très loin, la grande tendance, parce que pour le coup c'est une tendance mondiale, hein, c'est de dire le principal lieu où les soins s'exerceront, c'est le domicile. Et il y a une contradiction, c'est-à-dire nous on a un plan avec, alors là je suis dans l'actualité, je ne suis pas dans la prospective, on a un plan avec le Ségur de la Santé qui injecte beaucoup d'argent sur la construction et la rénovation de nouveaux hôpitaux, ce qui est une bonne chose. Mais souvent, le capacitaire est agrandi, alors que quand on regarde les grandes tendances mondiales, on sait que ça se passera à la maison, avec du numérique et avec des équipes de proximité et avec des nouveaux entrants. Et parmi les nouveaux entrants, vous pouvez avoir la Poste Silver qui rend tout un tas de services, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui sont contradictoires à date en France. Et quand vous regardez côté États-Unis, enfin, je ne les prends pas comme modèle, mais sur les aspects innovation, ils sont souvent en avance. Tous les investissements se font autour, vous prenez les grands groupes américains de santé, donc j'ai cité Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Kaiser Permanente, qui sont les trois plus grands. Leur stratégie, c'est deux piliers, c'est tout ce qu'ils appellent la télémédecine, au sens large, d'une part, et d'autre part, la maison. Mais nous, pendant ce temps-là, on construit les hôpitaux. Et leurs hôpitaux sont dans des états de délabrement, parfois au niveau de l'architecture, etc., aussi forts que les nôtres. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités. C'est lié à des temporalités différentes, des visions différentes ou des natures de projets différentes? Natures de projets différentes, parce que la vision à la DGOS, au cabinet, enfin, voire à l'Élysée... Ils ont ces éléments-là. J'espère pour eux, en tout cas, s'ils ne les ont pas, on leur fera parvenir. Mais cette vision-là, ils l'ont. Alors après, derrière, il y a parce que là, je n'ai pas du tout abordé ça, il y a il faut dire que les slides allaient tellement vite. Et dans le désordre. Et dans le désordre de surcroît. Mais après, il y a une transformation sociale même du monde de la santé. Et avant la transformation, parce que là, j'ai abordé que les questions techniques. Mais tout ça, c'est, moi, ce que j'ai abordé, c'est les futurs techniques, au sens large du mot technique. Mais la vraie question, c'est une question sociale, en termes de politique. À un moment, je me suis moi-même repris sur le mot déficit. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'hôpital doit être un objet de gestion avec des indicateurs de résultats? Et si c'est ça, ben c'est un certain type de politique qui se déploie. Ou à l'inverse, est-ce qu'on considère qu'on est à 11 points de PIB en France, un peu plus de dépenses de santé, que finalement on vit très bien, on pourrait très bien vivre avec 12 ou 13 points de PIB compte tenu du vieillissement de la population, de la croissance des besoins? Et à partir de là, quel type de politique on fonde? C'est-à-dire que le premier débat, c'est quand même un débat de politique sociale au sens très très large du terme. Et tant que cette question-là n'est pas posée, bah, on est dans du rattrapage ou dans de l'ajustement. Mmh. Alors, évidemment, à court terme, il faut faire de l'ajustement, mais à moyen terme, il faut une vision. Et c'est à partir de cette vision que ça repose. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que les futurs souhaitables en santé, il y a des tas de futurs que j'ai décrits qui sont réellement souhaitables. Mais néanmoins, ça repose sur un contrat social. Si vous prenez le Japon, moi j'ai passé beaucoup de temps au Japon, eux ils ont dit tout se passe à la maison, tout se passe à la maison. Le contrat social, c'est que tout se passe à la maison pour les personnes âgées avec des robots.
Merveilleux. C'est partagé politiquement, c'est accepté socialement, et ils investissent autour de ces questions-là. Bon, je ne suis pas sûr que ce modèle puisse se déployer en France, mais ce que je veux dire, c'est que le début de la réflexion n'est pas un début technique, ça doit être un début politique. Mmh. On voit bien qu'il y a une question de choix, de quel type de santé on souhaite pour demain. Adelph, est-ce qu'un rebond ou une réaction par rapport à ça? Oui, je crois que, comme le disait M. Tedesco, on est sur l'hôpital avec un effort significatif du pouvoir public, en tout cas, mais qui n'est qu'un effort de rattrapage sur un état de délabrement de l'hôpital public qui ne sera pas résolu non plus que par des questions d'investissement. On voit encore une fois qu'il y a un vrai problème, et pour répondre à votre question sur les déserts médicaux, qui ne sont pas que ruraux. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de difficultés dans les quartiers populaires. Oui, certains quartiers, oui. La question de la réduction des déserts médicaux passe aussi par ce que vous avez d'ailleurs évoqué, c'est-à-dire une population médicale qui est en décroissance, ce qui pose des questions justement sur les limites des compétences, puisqu'on voit bien que vous l'avez un peu évoqué, cette question de à partir de quand le médecin doit être le seul intervenant, et on voit bien combien il y a des crispations actuellement. Et moi, je voudrais juste, sur ce point-là, j'ai trouvé qu'il y avait une réaction de la Fédération des centres médicaux et des maisons de santé très intéressante, où il soulignait que la délégation de tâches, comme on l'appelle, pouvait d'autant mieux être organisée qu'elle était dans un cadre coordonné. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir comment on peut réfléchir justement à la façon dont on peut répondre en transformant les métiers à cette pénurie médicale que de toute façon on va supporter pendant encore de très nombreuses années, même si les solutions techniques, numériques et autres contribue à apporter une partie de la réponse avec la téléconsultation, sous réserve qui est bien évidemment du réseau et que la fracture numérique ne soit pas présente. Mais on voit bien que cette question-là, elle est encore devant nous, elle va l'être pour très longtemps. Et je vous rejoins complètement sur ce que vous évoquiez sur la question de savoir si la santé est un coût ou un investissement. Ça me faisait penser à la fois à la Finlande, et puis je crois que c'est la Finlande, et la Nouvelle-Zélande qui ont créé un budget qu'ils appellent un budget de développement social, du bien-être, où l'investissement porte principalement maintenant dans le budget public sur la santé, sur l'éducation, et un troisième pilier que j'oublie, mais en tout cas, on voit bien que le substrat de tout ça, c'est quand même le contrat social qu'il faut passer, et pour lequel on a encore... On a une campagne devant nous qui s'ouvre, qui va peut-être permettre de poser ces questions-là. Mmh. Pour rester un peu et tirer le fil, ouvrir un coin là sur la question de la dimension technologique, est-ce que, et c'est une dimension qu'on avait vue lors d'une conférence précédente sur justement la rupture numérique et la question sur les territoires de cette rupture numérique, où on nous promet énormément de choses avec le numérique, mais est-ce que la tâche aveugle de toute cette dimension-là, c'est pas finalement les technologies sur lesquelles reposent et les matériaux sur lesquels reposent ces nouvelles technologies, que ce soit en termes de métaux, en termes de terres rares, où on sait que finalement, si on écoute les prospectivistes, on s'attend effectivement à une explosion des besoins, des services rendus avec cette technologie, mais on sait en parallèle que les ressources disponibles sur Terre en termes de métaux, parfois de terres rares, mais parfois des métaux aussi très, finalement, que l'on utilise tous les jours, sont limitées, et donc les ressources en la matière. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une tâche aveugle de nous promettre une santé reposant sur une technologie qui remplira tous les services à distance, mais elle est pensée, cette dimension-là, Joseph ? Non. C'est rassurant. Ils ne peuvent pas penser à tout non plus. Hein. Ils prennent en charge les patients, et parfois qui sont plus nombreux, bon, etc. Par contre, le CNEH, là on est sur un autre sujet, hein. Le CNEH a fait une étude sur la transformation écologique des hôpitaux. Donc on a fait une enquête auprès de... Parce que le CNEH c'est une association, on a 2000 adhérents, 2000 hôpitaux adhérents. Donc c'est très facile pour nous de mobiliser les hospitaliers.
Et ce point-là ressort, notamment en imagerie, parce que l'imagerie, donc c'est de la photo, hein, des scanners, des IRM, etc. Et il y a beaucoup de data, de données qui sont traitées. Et dans le cadre de téléradiologie, il y a beaucoup d'échanges de données entre des petits établissements, des CHU, donc des hôpitaux universitaires, où a priori il y a plus de compétences et plus de connaissances pour faire du diagnostic à distance. Et aujourd'hui, ce qu'a montré notre étude, c'est que, alors sans aller sur les métaux rares des terrains où tu as envie de m'embarquer, où je n'ai pas envie d'aller tout de suite, hein, parce que sinon on est sur un espace fini et puis il ne se passe plus rien. Mais en tout cas, à date, sur le sujet des données, de nombreuses équipes médicales se posent la question suivante, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus sobre. Puisque au fond, on fait des tas d'images quand on fait un scan ou un IRM. Les technologies permettent des choses absolument fabuleuses, mais la plupart du temps, inutiles. Ça, il faut le savoir quand même. Hein. Inutiles pour le bon diagnostic. Alors, j'en parle d'autant plus savamment que je suis la semaine prochaine à Chicago sur le congrès d'imagerie, d'IA et de gestion des données, où ça va être le thème. Sur, au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de produire des tas de données qui servent juste à rien ou à pas grand-chose pour faire le diagnostic ? Donc des équipes médicales, pour revenir à la question, aujourd'hui se préoccupent de la circulation des données sur le réseau, du stockage des données, sans aller sur les métaux rares, hein, juste déjà sur le cloud, sur les infrastructures, sur la circulation des data, et certaines équipes, dont une équipe au CHU de Montpellier, pour ne citer que celle-ci, se disent, mais au fond, il faut qu'on soit beaucoup plus sobre, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes dans une course à l'utilisation des technologies, et quand on regarde nos pratiques professionnelles d'il y a 4-5 ans, on ne fonctionnait pas comme ça, et les diagnostics que nous portions étaient tout aussi justes la plupart du temps. Et donc au fond, on est dans une espèce de surenchère, et il faut que nous-mêmes, on devienne un peu sobre. Alors là où c'est compliqué, c'est que tous ces propos... Alors je pourrais prendre d'autres sujets comme ça sur l'hôpital, hein, sur l'énergie, sur l'alimentation, le tri des déchets, il y a plein d'axes. Aujourd'hui, c'est porté par ce qu'on peut appeler des c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs, par des innovateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique. C'est-à-dire que même si, dans le Ségur de la santé, on dit qu'il faut être plus vert, trouver les bonnes voies pour être un peu plus vert, ou un peu plus écologique, ou un peu plus sobre dans votre consommation. Et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est tant mieux. On a des personnes, des individus qui portent cette conviction-là et qui essaient de faire des choses à l'échelle de leur établissement. Mais il y a tellement de choses à faire que c'est parfois compliqué de raisonner à 20 ans. Où se passe l'innovation aujourd'hui dans le secteur de la santé ? Est-ce que c'est dans les établissements de santé ? Est-ce que c'est dans le tissu économique existant, traditionnel ? Est-ce que on pense que ça vient surtout des startups, c'est-à-dire qu'un autre regard, d'autres manières de penser le sujet, et c'est là que résident les grandes innovations de demain ? Vous le voyez comment, la question de l'innovation sur le sujet ? Adelph, allez-y. Oui, enfin, moi, je n'ai sûrement pas l'expertise de mon voisin, mais j'ai l'impression qu'elle vient d'un peu de partout. Encore une fois, il ne faut pas ne réfléchir qu'en termes de technologie. Une technologie sans usage, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on voit très bien, enfin, oui, il me semble qu'on a pu voir autour de cet épisode de la pandémie qui est vraisemblablement appelé à se renouveler sous d'autres formes, on a bien vu combien l'ingénierie sur les territoires pouvait être productrice de beaucoup de solutions, peut-être du bricolage la plupart du temps, mais en tout cas qui pose des questions justement sur comment on coopère, et je crois que ça va être, me semble-t-il, un des grands mots des années à venir, comment on coopère entre les acteurs sur un territoire autour des questions de santé. Et du coup, je trouve l'innovation, elle est aussi bien organisationnelle, elle est aussi bien technologique, elle est dans les usages, et on la retrouve aussi bien avec des start-up que des collectivités locales, qui d'ailleurs, il y aura bientôt un événement ici avec le réseau français des villes santé de l'OMS qui montrera en tout cas la capacité et les innovations qui ont pu être mises en place par des collectivités locales. On va aussi organiser au même endroit une convention des entreprises de santé numérique du groupe Caisse des dépôts, où là encore on est sur une innovation plutôt technologique, mais l'enjeu de ces innovations, c'est qu'elles sont un peu partout, elles sont pas forcément très structurées,
ce qui est le propre de l'innovation. Et une des questions, ça va être effectivement de comment on passe de l'innovation à la généralisation. Et ça, ça relève à la fois de politique publique, ça relève de financement. Comment on finance les actes? Et bien évidemment, encore une fois, vous l'avez dit, qu'en France, c'est une porte ouverte. On va passer de la... en partie du financement à l'acte ou au financement à la performance ou au parcours, etc. Donc on voit bien que derrière cette question d'innovation, il y a celle de la généralisation. Et dans la généralisation, il y a comment on y arrive, avec quel financement, quel projet social, etc. Oui, je suis d'accord. Hein. Si on essaie de faire une typologie et puis un commentaire, tout ce qui est innovation d'usage, en gros tout ce qui est informatisation d'un process, alors on appelle ça numérisation maintenant parce que nous sommes en 2022 bientôt, c'est plutôt porté par les startups. Mais en fait, l'innovation, c'est juste de numériser une partie de ce qui ne l'était pas. Et si on ne change pas les organisations associées, c'est l'efficience, si on parle comme ça, avec ces mots-là, est proche de zéro. Mais c'est moderne. Ensuite, vous avez de l'innovation fondamentale. Et de l'innovation fondamentale, donc là, c'est fait par les industriels. C'est-à-dire, si je reste sur le sujet imagerie, c'est des maisons, alors on ne va pas les citer, mais ou alors il faudrait toutes les citer. Donc, on va essayer d'en citer un maximum en 10 secondes. J'ai l'habitude maintenant que les slides s'y défient. Siemens, Fuji, Philips, GE, et puis d'autres que j'oublie, j'en suis désolé pour elles. Là, on est sur de l'innovation fondamentale. On a aussi l'INSERM qui fait de l'innovation fondamentale, etc. Mais les plus grandes innovations, ce n'est pas celle-ci pour l'hôpital. C'est la coopération, c'est des innovations organisationnelles. Et j'avais assisté à une conférence à Stanford, parce que le CNMH organise des voyages d'études, donc le prochain est en Corée, si les gens de la Caisse des dépôts veulent venir, en Corée du Sud, sur l'innovation précisément, l'intelligence artificielle, la digitalisation et la numérisation. Et nous avions fait des conférences à Stanford, donc qui est quand même une grande université américaine, hein, ce n'est pas la plus petite, sur l'innovation en santé. Et à la grande déception de tous les gens qui étaient là, les seules innovations qu'ils nous ont présentées étaient des innovations organisationnelles. Puisque le soin, c'est un métier de contact, c'est un métier d'humain à humain, même si je vous ai expliqué qu'il y a des robots qui pouvaient faire des interfaces. Et au fond, ce qui compte, c'est la coopération entre les professionnels et la bonne circulation de l'information. Et donc, la vraie innovation en santé, elle est organisationnelle. Et ça, les acteurs publics ont du mal à le comprendre. Puisqu'on met un paquet de pognon, et c'est tant mieux, sans doute, sur le numérique, la transformation numérique du pays. Mais le vrai sujet des équipes de soins, c'est certes le numérique, mais c'est la coopération et la bonne circulation de l'information. Mais les professionnels de la santé, ils sont formés à ça? C'est-à-dire qu'ils sont... aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'on a un certain nombre d'atouts? Là, je reviens sur la France. Hein, c'est intéressant d'aller effectivement comparer avec d'autres choix ou d'autres... Mais est-ce qu'en France, aujourd'hui, les professionnels de santé, que ce soit au niveau des établissements, au niveau des politiques publiques, etc., ont des atouts pour réussir dans ce champ principal d'innovation que tu nous dis être le champ organisationnel, finalement, et social, et humain, et accompagnement? Alors... Si j'en crois le dernier échange avec le directeur de cabinet, pas de l'actuel ministre, mais de celui d'avant, donc de Madame Buzyn, la réponse est non. Puisqu'il y avait en France au moins deux labos qui faisaient de la recherche en santé, un labo à l'école des mines, un labo à l'école polytechnique. Et ces labos, sur le champ santé, et sur le volet innovation organisationnelle, ont arrêté leurs travaux pour des tas de raisons. Ils se sont repliés sur d'autres secteurs de l'économie. Et donc aujourd'hui, il y a très peu, vraiment très peu, de production de connaissances sur l'innovation organisationnelle dans les systèmes de santé. Mais ça, c'est donc ça veut dire que c'est la place de la recherche en sciences sociales au sens large du terme. Qui est en jeu. Et ça manque un peu, parce que c'est pas très sexy hein, de dire il faut de l'approche populationnelle, il faut une meilleure coordination ville-hôpital, il faut qu'un certain nombre de tâches soient déléguées en ville, dans des maisons de santé V2, parce qu'aujourd'hui, ils sont ensemble, mais ils sont un peu séparés quand même s'ils sont ensemble. Hein. Voilà.
Et c'est pas très sexy tout ça, parce que c'est beaucoup d'efforts au quotidien. C'est beaucoup plus simple de dire je plug des dispositifs Livy pour faire de la téléconsulte. C'est un peu plus sexy. Mais qui peut porter ça? Qui peut donner l'impulsion? Qui peut conduire ces transformations? Parce qu'on voit bien qu'on est dans un champ de transformation organisationnelle, transfo des organisations en tant que telles, mais aussi d'écosystèmes, c'est-à-dire de chacune de ces organisations en interne, mais en lien avec ville, hôpital, avec... qui peut aujourd'hui conduire, de votre point de vue, ce type de transformation de manière la plus efficace? Ça peut venir d'où? D'abord, pour réagir au propos qui vient d'être tenu, il y a quand même il y a des éléments qui permettent de travailler sur cette question des compétences, on va dire. Moi, je suis quelques innovations qui sont liées à l'article 51. Qui est un article qui permet justement d'innover dans les pratiques de soins et qui sont portées par les centres de santé. Alors les centres de santé, c'est un tout petit créneau et qui doit faire à peu près 5% de l'offre de soins. Mais ils réfléchissent beaucoup justement à la façon dont les compétences médicales doivent être coordonnées. Encore une fois, on revient sur les questions de coopération. Il y a quand même quelques éléments d'optimisme, non pas sur la recherche fondamentale, ni sur la formation initiale, parce que là, j'avoue que j'ai une totale incompétence, bien qu'on voit aussi, et ça rejoint un autre de vos propos, maintenant des patients experts dans les universités. Je trouve que c'est aussi un élément d'espoir sur la façon dont la santé n'est plus seulement la question du médecin dans sa relation au patient, mais aussi le patient dans sa capacité à porter lui-même sa propre santé. Donc il y a quand même quelques éléments qui permettent de réfléchir sur les pratiques médicales des professionnels en activité. Sur la formation initiale, j'avoue qu'on a totale incompétence en la matière. En formation initiale sur le numérique, aujourd'hui c'est assez faible, mais il y a un programme qui est porté par le ministère de la Santé qui va viser à former tous les soignants au numérique. C'est en cours. On a une question dans le chat donc de Jean-Luc. Pour partager l'information, ne faut-il pas déjà qu'elle soit informatisée? Et il parle notamment des ordonnances illisibles, encore souvent à la main. On est encore sur la question de la formation des médecins, finalement, à savoir écrire lisiblement. Joke. Aujourd'hui, c'est suffisamment numérisé, notamment les informations premières, qui sont les informations qui concernent le traitement, les soins, les... En ville, à l'hôpital, oui, c'est numérisé. Ouais. Après, la question qui se pose, c'est le stockage. Et donc, on renvoie à ta question. Merci. Et en ville, parce que c'est souvent en ville quand même, hein, l'écriture en ville, c'est médecin dépendant. Et là, il y a une fracture générationnelle, un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, enfin, moi, pour ma part, mon médecin traitant, maintenant, il édite ses ordonnances via son imprimante. Donc, mais au-delà de cette question-là, il y a un élément sur lequel, pour le coup, le poste est très présent, c'est le dossier pharmacien. Il y a 45 millions de comptes ouverts et qui, là, pour le coup, font que les ordonnances sont de chacun des patients qui a son compte ouvert, qui est ouvert par le pharmacien d'ailleurs, sont centralisées. Mais c'est vrai que c'est pas, d'abord c'est pas tellement su, et ensuite c'est pas non plus très partagé. Mais en tout cas, il peut y avoir quelques bases. Après, on pourra parler de l'espace numérique de santé, etc., et de la difficulté à le mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelques bases où des échanges d'informations peuvent être organisés à partir de ce qui existe déjà. Je voudrais revenir sur un élément, Joseph, que tu présentais tout à l'heure, la dimension, une des dimensions économiques et financières en fait du futur de la santé, autour de notamment le fait que on pourrait passer, hein, puisque c'est de la prospective, donc on pourrait passer de financement existant aujourd'hui à l'acte, donc à la quantité, au volume, à un financement qui serait à la qualité du soin, qualité de l'accompagnement, et on voit bien le lien avec le champ d'innovation organisationnelle et sociale, les process que l'on vient d'évoquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit déjà des décisions
prises ou à minima des réflexions qui, je ne sais pas dans quel lieu de décision et de pouvoir, mais qui laissent penser qu'on est sur ce chemin du passage d'un financement, je suis bien là-dessus, au volume à un financement à la qualité. Il y a des choses en route là-dessus que l'on observe. Alors, les ministères ou ailleurs. Hein. Ça ne va pas te plaire, mais il faut partir des États-Unis. Je suis très heureux moi, quand on parle des États-Unis. Ouais. Parce que toutes les réformes du financement, des modes de financement françaises, viennent des États-Unis. Donc, il faut partir de là-bas si on veut comprendre ce qui peut, le cas échéant, se passer chez nous dans quelques temps. Et d'ailleurs, ce qu'ils font se diffuse dans tous les pays. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de forme de monopole. Juste une parenthèse, y compris dans des pays qui, par exemple en Asie, font d'autres choix Pas du tout. Au contraire, ils copient complètement le modèle avec un système assurantiel différent. Mais, donc, ils copient le modèle financier qui vient des États-Unis. Oui, parce qu'ils veulent gagner du temps. C'est des économies jeunes, donc ils n'ont pas envie de refaire tout un parcours. Et pour ne pas refaire tout le parcours, ils vont là où ce qu'ils estiment être le meilleur. Après, on peut toujours discuter sur le fond. Hein. Et donc, ils prennent des bouts d'innovation qu'ils implémentent chez eux. Donc, quand on voit le mouvement aux États-Unis, donc ce qu'on appelle la T2A en France, hein, c'est le paiement au volume pour faire simple. Et ça a été ce paiement-là qui s'est imposé il y a une trentaine d'années aux USA. Aujourd'hui, les USA en reviennent pour des tas de raisons qu'on ne va pas détailler là. Et du coup, ils passent d'un mode de financement volume to value. Et value, c'est la qualité créée pour le patient avec un certain nombre d'indicateurs associés. Et ça fonctionne comme une assurance, en fait, le mode de paiement avec des bonus et des malus. Et c'est un mouvement qui est très compliqué à opérer parce que autant en termes de santé publique pure, ça se comprend. En termes d'intérêt particulier pour les groupes de santé, ils peuvent, le cas échéant, perdre de l'argent. Et donc, il y a des campagnes de lobbying qui sont assez violentes, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années. Et au fond, l'Obamacare, qui a promu le passage volume to value, aujourd'hui, la traduction concrète, c'est 15% parce qu'eux, ils acceptent des modèles hybrides de financement, contrairement à nous, hein. C'est 15% des microsystèmes de santé qui sont rémunérés à la qualité. Mais quand même, l'ambition, c'est volume to value. Alors quand on regarde en France maintenant, si on prend un budget hospitalier CHU, parce qu'on n'est pas très loin de la pitié salpêtrière ici, en gros, si vous prenez un budget sur 100 euros, vous avez 50 euros qui sont du forfait. Je ne rentre pas dans les détails, hein, mais c'est du forfait. Et ensuite, vous avez, donc sur 100, j'ai 50% en forfait et 50% à l'activité T2A. Donc déjà, ça amoindrit quand même un peu le discours de l'hôpital est une boîte marchande, patati, patata, parce que quand on regarde les faits concrets, c'est que 50%. Néanmoins, 50%, c'est beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, en France, la réforme du financement n'est pas un financement à la qualité. C'est plus compliqué que ça, mais ce n'est pas un financement à la qualité. C'est des financements au parcours, ce que vous avez cité. Et donc, on découpe un certain nombre de parcours auxquels on donne un forfait et pour réaliser un parcours cardiovasculaire, par exemple, avec une intégration ville-hôpital, vous avez un forfait. Sauf que ça, c'est un monde idéal. Ça veut dire qu'il y aurait une coopération absolument remarquable entre l'hôpital et la ville, parce que pour une pathologie cardiaque, je vais donner 10 euros, et les 10 euros, j'en ai un pour l'infirmière de ville, j'en ai un pour le kiné, et encore je suis généreux, 0,80, deux pour le médecin de ville, et le solde pour l'hôpital. Mais là, ça veut dire qu'il faut s'entendre sur des modes de coopération et sur des modes de prise en charge. Et là, c'est là où on est obligé d'être dans de l'innovation organisationnelle. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, on est timidement sur un mode de financement à la qualité en France, timidement, mais quand même, c'est une perspective. Et quand on regarde ceux qui ont investi massivement les US, c'est très compliqué de le faire parce qu'il y a des tas de lobbies dans tous les sens. Donc, la médecine, c'est pas, la santé, c'est pas juste un sujet de je m'occupe des gens, hein. C'est un sujet économique. Hein. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on met en place des délégations qui s'appellent des infirmières de pratique avancée qui peuvent faire des gestes médicaux, c'est quand même 10 ans de discussion sur un sujet qui est juste une évidence.
Vous voyez, parce que ça, c'est entre l'ordre établi, on va parler comme ça, toute réforme bouscule un ordre établi. Donc c'est-à-dire que les réformes se font jamais au nom du juste et du bon, de ce qu'il faudrait faire, c'est toujours des successions de déséquilibre, rééquilibre, déséquilibre, rééquilibre. C'est pour ça que c'est lent. Par contre, ce qui a montré la crise, ça c'est l'enseignement du Covid quand même, c'est que ce qu'on estime en gestion ordinaire, être des cloisons, des murs porteurs, c'est juste des cloisons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les réformes sont bloquées parce qu'il y a plein de cloisons. Mais ces cloisons, on les vit tous comme des murs porteurs. C'est ça qui a montré la crise. Donc c'est plus facile de les faire bouger que ce qu'on pense, que les représentations qu'on en a. C'est ça que tu veux dire? C'est ce qui fait bouger les systèmes de santé, parce que ça a été partout, quasiment pareil dans le monde, c'est des situations d'urgence. C'est-à-dire, on l'a sans doute tous vécu, et si vous ne l'avez pas vécu, je ne vous souhaite pas de le vivre, mais quand vous allez à l'hôpital pour une consultation, vous passez un temps infini à attendre. D'ailleurs, on s'appelle patient, il faut être patient. Le jour où vous avez un vrai pet, là, vous n'attendez pas. Tout se met en ordre et la machine hospitalière vous prend en charge et en un temps très très court, le sujet peut être résolu. Et donc, ça veut dire que l'hôpital, là on est sur l'hôpital, fonctionne excessivement bien en mode crise. Le Covid, c'est une crise. Et ils ont réinventé tous les process. Maintenant, ils sont revenus au mode ancien de fonctionnement, ce qui pose d'autres problèmes. On a une autre question en ligne? Alors, la question est de Vanessa. Sauf erreur de ma part, le système de santé repose sur une approche curative. Serait-il opportun d'opérer une bascule vers une approche préventive afin d'anticiper et réduire les coûts dus à la prise en charge, notamment les maladies chroniques? Comment ceci serait possible? Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec le slide. Ah bah, allez-y. Pardon. On a encore 5 minutes. Ce que vous avez vu avec le slide 42 et le slide 83 qui se sont passés un peu vite, il y a tout un gros sujet autour de l'alimentation, parce qu'au fond, les pathologies qu'on développe, pour une grande partie d'entre elles, sont liées à ce qu'on mange. Donc il y a tout un sujet qui tourne autour de l'alimentation. Donc ça, c'est les slides 82 et 92. Et puis le slide 47, 45, 44, c'est autour de ce que j'ai appelé Netflix, c'est-à-dire la médecine Netflix, c'est la capacité d'avoir une cartographie génétique pour un coût assez moindre. Et une fois qu'on connaît ces facteurs de risque, à partir de ce moment-là, on peut, pour les plus motivés en tout cas, ajuster son mode de vie en connaissant ces risques. Ce qui pose des tas de questions éthiques, assurantielles, on n'a pas le temps, mais néanmoins, c'est un peu ça qui est plus devant nous. Après, le point qui sur lequel moi je milite depuis 20 ans dans le vide, hein, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est qu'on n'arrive pas à faire de la prévention élémentaire dans les écoles, parce que c'est quand même là que ça commence. Et je pense que là, c'est un axe très important en termes de comment bien se nourrir, pourquoi faire du sport, pourquoi ci, pourquoi ça. Et moi, j'avais proposé un projet il y a très longtemps en disant les soignants ont en moyenne 22 à 23 jours RTT. C'est pas mal. Sur un CHU, vous avez en moyenne 10 à 12 000, 12 000 salariés. Si chaque salarié consacre par an, 2 heures à faire dans une classe primaire. Ça donne des moyens. Une petite intervention, ça donne des moyens et c'est juste 2 heures de son temps. Adelph, un mot là-dessus? Oui, d'abord pour souligner effectivement que la prévention et la dent creuse de notre système de santé. Je crois que la France, là vous pourriez le confirmer mieux que moi, mais la France est un des pays où les dépenses de prévention sont les plus faibles. Et de ce point de vue-là, on ne peut que progresser. Et je prendrai juste l'exemple, au-delà de tous les
déterminants de santé pendant, sur lesquels vous avez insisté, qui bien évidemment sont fondamentaux. On a dans le groupe Caisse, avec l'arrivée de la Poste, une réflexion justement sur la façon dont les facteurs pourraient être des acteurs de la prévention, parce qu'ils rencontrent même s'il y a de moins en moins de courriers, ils rencontrent quand même nos concitoyens de façon très régulière. Et il y a un certain nombre d'expériences qui ont été menées en lien avec des programmes publics d'ailleurs, qui montrent qu'un suivi régulier permet d'anticiper des formes de pathologie, et qu'il y a vraisemblablement une réflexion là aussi à conduire sur qui fait de la prévention. Effectivement, il faut la faire dès l'école, il faut la faire dans l'entreprise aussi, parce que on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'accroissements des maladies, notamment squelettaux, voilà. Les risques psychosociaux dans l'entreprise, etc. Donc, agir sur la prévention, c'est pas uniquement, là encore une fois, c'est pas uniquement la question des professionnels de santé, mais c'est une question qui intéresse l'intégralité de notre société, qui doit être aussi bien à l'école qu'à l'entreprise, que lorsqu'on en fait des loisirs. Le numérique peut être un outil, mais on voit qu'il y a aussi des acteurs qui peuvent jouer un rôle, et dans ce cadre-là, la Poste peut être un des acteurs qui peut jouer un rôle en matière de prévention, mais ça reste un chantier ouvert, et où les questions de financement, qui finance la prévention, parce que qui en profite, est une question très, très difficile à résoudre. Eh bien, grand merci à vous deux. On arrive là au terme de notre échange. En fait, l'expérience me fait dire qu'on n'a pas besoin de slide, Joseph. En fait, c'est extrêmement plus intéressant. Mais la prochaine fois, on fera mieux avec la technique. Je remercie Vanessa pour la dernière question, parce qu'en fait, ça nous fait une transition parfaite avec l'annonce de notre prochaine conférence prospective, donc où nous avons invité Nathalie Babourage. Donc Nathalie a créé l'Institut de santé intégrative, et son sujet est justement le sujet de la prévention. Et donc c'est la première, ça paraît complètement idiot, mais c'est la première qui m'a fait réaliser que la santé, c'était pas uniquement le traitement de la maladie, et que la santé effectivement renvoyait à questionner, quand on a une approche intégrative, à questionner nos modes de vie et de voir comment effectivement, dans nos manières de nous alimenter, de trouver nos équilibres, de nous mouvoir, et en termes d'activité physique, d'entretenir des modes relationnels avec les uns et les autres, comment en fait tout ça contribue à être en bonne santé, et qu'est-ce que ça signifie être en bonne santé ou être en santé. Donc on verra ça, donc c'est le 17 décembre avec Nathalie Babourage, et donc j'espère que vous serez au moins aussi nombreux qu'aujourd'hui. Voilà. Marie, je crois que c'est à toi. Oui, un petit mot pour la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence débat. Merci à nos intervenants, Joseph et Adelph. Et bien sûr, merci à l'Institut des Futurs Souhaitables d'avoir co-organisé cet événement avec nous. Donc, je crois qu'il y a une petite vidéo, Jean-Luc. Je laisse la place à la vidéo si elle fonctionne.